vu tout à l'heure défiler les Galiciens, mais il est d'autres régions d'Espagne où l'on trouve les Celtes, les Asturies, dont le prince et le fils du roi Juan Carlos, Felipe, l'héritier de la couronne. Ces bandas asturiennes utilisent des gaitas, ce sont des cornemuses, elles aussi qui sont dérivées de la cornemuse médiévale. Et à l'heure actuelle, les Asturies connaissent une véritable explosion de ces bandes de gaitas. Figurez-vous qu'il y a 50 ans, il n'y en avait qu'une centaine, et aujourd'hui, ils sont plus de 5000 musiciens traditionnels. Et 5000 musiciens traditionnels, mais aussi des groupes de folk, de pop, de rock. Et d'ailleurs, la femme d'Alonso fait Raquel. Partie d'un de ces groupes. Raquel, en effet, fait partie d'un de ces ensembles évolutifs de pop celtique asturien. Et Alonso avait promis d'être là s'il n'avait pas bien entendu le Grand Prix du Japon que vous allez pouvoir suivre sur TF1. On va être obligé de l'excuser là. Oui, c'est là il a une très bonne excuse. Voilà donc les Galiciens. Non, les Asturiens. Est-ce que tous ont le même pas comme, par exemple, le défilé du 14 juillet, à part la Légion, quoi, qui défile? Non, c'est un petit peu différent parce que au cours du 14 juillet, vous avez des musiques statiques qui sont répercutées avec des haut-parleurs tout le long du défilé, donc tout le monde suit le même pas. Là, chacun avance à la même vitesse, mais avec son propre pas. Voilà, les Asturiens qui passent maintenant devant la tribune officielle, où il y a quand même pas mal de monde, hein, environ 400-500 personnes. C'est amusant parce que tout le monde tape dans les mains dans les tribunes et on les voit trépigner des pieds, un peu comme quand on va voir le spectacle de Riverdance. Tout à fait. Regardez, oui, je ne sais pas si la caméra peut les montrer, mais les gens sur le bord des trottoirs applaudissent, mais ils tapent aussi dans les mains, allez, au rythme de la musique. C'est l'ambiance bretonne à Paris.